Nous revenons à l'instant de la caserne des pompiers où nous sommes allés apporter les 300 gâteaux pour justement les remercier d'être intervenus à de si nombreuses reprises pour les inondations donc dans notre commune mais aussi dans les communes voisines. Alors effectivement, le geste touche toujours puisqu'on a l'habitude de remercier les pompiers quand ils sont intervenus chez nous. Là, pour le coup, ils ne sont pas intervenus chez nous, heureusement même. Mais on avait voulu vraiment les remercier, les féliciter, puisque c'est un travail quand même assez colossal. Ils sont intervenus quand même plus de 120 fois, rien que dans la journée d'hier, pour notre commune. Il faut savoir qu'actuellement, les pompiers viennent en renfort donc, de diverses communes pour justement être encore plus performants pour les interventions. Alors le but de cette vidéo, c'est franchement de vous dire si vous aussi vous aimez les pompiers, si vous aussi vous voulez les remercier, les féliciter, que vous êtes vraiment content du travail qu'ils fournissent quand même pour notre région, mais aussi pour les autres départements, à vos fourneaux, faites un gâteau, faites-en plusieurs, faites ce que vous voulez, mais allez les remercier aussi. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut développer. On a toujours besoin des pompiers, on est toujours content quand ils sont là, mais aussi il faut savoir que même quand on n'a pas besoin d'eux, il faut un travail qui est colossal, qui est énorme. Et un gâteau, ça fait toujours plaisir et je pense qu'ils le méritent.